Mesdames et messieurs, et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Bon, je vais enlever mon couvre-chef déjà. Voilà, bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Ma famille, ma vie est de retour pour une nouvelle saison cette année. Et la nouveauté, c'est qu'on est là dès le matin avec vous à partir de 10h30 jusqu'à pratiquement 11h, 11h30. On sera là avec vous. La première nouveauté, c'est qu'on est en direct le matin et vous pourrez même participer à l'émission en nous appelant, tout simplement en nous appelant parce que la ligne téléphonique est à votre disposition. On va vous rappeler le numéro de téléphone tout à l'heure. Vous pouvez venir partager avec nous vos expériences, vos témoignages, nous poser des questions aux spécialistes qui sont sur le plateau concernant le thème qu'on va traiter dans l'émission. Alors, elle est toujours avec nous, ça n'a pas changé. Wahida Selim Sherif est là, bonjour. Bonjour, Mounia. Je voulais vous faire deviner si je suis là ou pas. Voilà. Ça va, Mounia, tu vas ça bien? Ça va très bien. T'es bon retour. Merci, toi aussi. Rassurée que les vacances. Vacances, on va dire oui, un peu courtes les vacances. Allez, ça va? Bon retour à toi. Merci, je suis très heureuse de faire partie de l'équipe cette année aussi. C'était tout à fait normal, bien sûr. Ça s'est tellement bien passé l'année dernière que c'était tout à fait logique et naturel que tu sois là cette année aussi. Je suis contente et je suis honorée. Très bien. Alors, on rappelle que j'avais un petit chapeau et puis un couvre-chef et toi un masque parce que ça a un lien avec ta rubrique. Exactement. Qui a changé de nom aussi. Oui. Est-ce que je peux dire maintenant le nom oui, de ma rubrique? Oui, bien sûr. C'est We Share. On partage chaque jour une information, un invité, une astuce, un peu d'actualité. Exactement. Voilà, aussi. Sur tout ça. Et voilà, on va la découvrir chaque jour et on va voir de quoi il s'agit. Exactement. Et tu colles justement à l'actualité parce qu'aujourd'hui, c'est ouvert le festival de la FIBDA, voilà, de la bande dessinée. C'est le premier jour et tu colles au thème parce que qui dit bande dessinée dit aussi... Cosplayer. Exactement. Et tu as ramené avec toi une cosplayeuse très douée, parce que exactement. Ce que je vois là, c'est magnifique. Alors, tu nous présentes ta cosplayeuse? Bien sûr, il s'agit de Bokeh Bedea, mais elle préfère dire... Hidden artist, voilà. Elle préfère dire designer. Enfin, et après, on va parler du cosplaying. Bonjour Bedea, bonjour. Merci de me recevoir votre émission, ça fait plaisir. Alors, je me présente, c'est Bokeh Bedea. Je suis designer, costume design, spécialité... Je dirais costume du cinéma et théâtre. Très bien, on va en parler après. On en parlera en fin d'émission. Voilà. On en parlera plus, comment vous êtes venu à ça et tout ça en fin d'émission. Mais tout d'abord, on va commencer notre thème. Le premier thème, je ne vous l'ai pas encore annoncé. Le thème de cette première, c'est la première fois à l'école. La première fois que votre petit Boutchou va à l'école. Oui, ça y est, on y est. Votre petit Boutchou fait son entrée dans la cour des grands. Une étape attendue, mais redoutée quand même, que ce soit pour les parents ou pour les enfants. Voir son enfant prendre son envol, grandir, s'affranchir un petit peu de la famille, ce n'est pas toujours facile. Est-ce qu'il va savoir s'adapter à la vie en classe? Est-ce qu'il va se faire des amis? Est-ce qu'il va aimer cette école et ses professeurs? Alors, on en parle aujourd'hui avec nos spécialistes j'ai l'honneur justement de vous accueillir et merci d'avoir accepté notre invitation. Docteur Hanan Wahil, vous êtes psychologue. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci pour l'invitation. Et à vos côtés, enfin en face de vous, c'est professeur Fadila Boufaroua, professeur en pédiatrie. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je suis très honorée d'être là parmi vous aujourd'hui. Ah ben très bien, marhaba bikoum en tout cas. On va commencer tout de suite l'émission, on va parler de la première rentrée scolaire. Avant de rentrer directement dans le vif du sujet, j'ai envie de vous poser toutes, mesdames, parce qu'aujourd'hui c'est un plateau féminin, donc j'ai envie de vous poser toute cette question. Est-ce que vous vous rappelez de votre première rentrée scolaire? Est-ce que ça vous a marqué? Oui, ça marque. C'est clair que ça marque. Alors, Wahida. Pour ma part, je vais vous raconter une petite anecdote. Qu'est-ce qui m'a marqué? C'est la veille de la rentrée scolaire, parce que j'ai fait l'école coranique avant de commencer. Maintenant, c'est la crèche. Donc, du coup, je me suis habituée à aller à l'école. Mais ce qui a marqué la rentrée à l'école, c'est la veille. En fait, ma grand-mère et la tante à mon père, elles m'ont fait comme une petite fête. En fait, ils ont fait... une chagbette algéroise, donc c'est à base de cannelle, l'eau de rose, et puis il y a le refef. Oui. Et du coup, j'ai dit, tiens, on célèbre quelque chose, alors qu'avant, j'étais à l'école coranique, donc je passe à autre chose, c'est un niveau supérieur. J'étais très contente et ça m'a marquée. Très bien. Et vous, mesdames? Pour moi, c'était ordinaire, je ne vous cache pas. J'étais prête à la base, je n'ai jamais été en crèche ni à l'école coranique. Mais par contre, j'avais reçu une éducation
Je dirais que maman et mes parents, les deux, on m'a vraiment responsabilisée dès le très jeune âge. Mmh. Donc, il n'y avait pas un attachement toxique, il n'y avait pas d'angoisse de séparation et tout. Après, je suis sûre que ma mère, elle est restée quand même des semaines et des semaines parler de l'école, des codes, comment ça va se passer et tout. Donc, c'était pour moi pas angoissant, clair. Très bien, tant voilà. mieux. Et professeur Bouffalois, vous vous rappelez? C'est vrai que ça remonte à très loin de mon âge, mais je me souviens très bien parce que c'était pas du tout une surprise pour moi. J'avais déjà deux frères qui étaient scolarisés avant moi, et donc pour moi c'était presque inné. Je travaillais avec eux. Bon, il n'y avait pas de crèche avant. Il n'y avait pas de préscolaire. C'est vrai. Et donc, le petit enseignement déjà commençait à la maison avec les frères aînés qui étaient déjà scolarisés. On essayait de faire la même chose. On essayait d'écrire, on essayait de faire. Et la maman était là justement pour nous apprendre ce petit... Et donc, c'était presque quelque chose de normal d'aller à l'école. On était prêts déjà. En famille déjà, on était prêts que l'enfant, tout à fait normal, sa place est à l'école d'abord. C'est vrai, exactement. Ben moi, j'ai fait l'école coranique. D'accord. J'ai fait avant d'entrer, mais c'était AGDEC, c'était une transition assez simple. Mais il y avait toujours Hadektal, les nouvelles affaires, les nouveaux habits. Genre, il y avait une certaine... Mais le stress, le premier jour, il n'y avait pas. C'était une sorte de nouvelle aventure. Voilà, une nouvelle aventure. Magnifique. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre les enfants, justement, docteur Wahil, est-ce qu'il y a une différence entre les enfants qui ont fait soit l'école coranique ou la crèche et qui ensuite se dirigent vers l'école? Ceux qui ont déjà eu à être en classe, à avoir des tatas et tout ça, et puis ils se retrouvent à l'école, c'est juste les grands au lieu d'être chez les petits. Généralement, oui, il y a toujours une petite différence entre les enfants qui ont déjà fait la crèche, un préscolaire, même la nounou. Et les enfants qui ne sont jamais partis dans une institution, là où il y a un code, là où il y a une discipline, là où il y a des figures d'autorité, des figures d'attachement, de nouvelles figures d'attachement et d'autorité, ils sont moins angoissés, ils sont plus stables, ils sont plus épanouis. Mais après, moi je dirais que pas forcément l'école, pas forcément la crèche, pas forcément le préscolaire, parce que nous avons reçu et nous avons vu des enfants qui sont partis directement à la première année primaire, sans aucune préparation, mais l'enfant n'avait aucun problème, aucune angoisse, il était épanoui et totalement prêt. Ce qui revient à les premières années de l'éducation de l'enfant, sa relation avec les parents, est-ce qu'il avait déjà l'habitude, il a eu la chance d'être intégré socialement dans d'autres institutions avec les enfants, dans le quartier, est-ce qu'il a l'habitude de partir et de se déplacer, passer de la nuit chez les grands-parents, chez les tantes, les oncles. Est-ce qu'il avait l'habitude déjà de se détacher de sa maman, de son papa, ça dépend. Exactement. Chaque enfant est proche et lié avec un parent plus que les autres, je pense. C'est exactement ça. Voilà, donc un parent plus que l'autre, pardon. Et donc, s'il y avait déjà l'habitude de se détacher de son papa ou de sa maman, donc ça va être beaucoup plus simple. Justement, le grand problème, c'est l'attachement. Voilà. C'est l'attachement. C'est-à-dire, moi, je dirais un attachement sécure. Est-ce que l'enfant se sent en sécurité loin de maman et loin de papa et en dehors de la maison? Donc, c'est ce que les parents sont censés donner à ce petit... Comment on inculque ça? Justement, ça paraît simple quand on le dit comme ça, mais comment on inculque ça? Il faut prendre de bonnes habitudes dès le début, habituer son enfant à ne pas nous voir tous les jours, être toujours là présent pour lui, pour n'importe quel petit bobo, n'importe quel petit truc, et l'habituer à rester un peu chez ses grands-parents, un peu chez les autres, sortir jouer avec les autres, c'est ça? Généralement, le petit, lorsqu'il est loin de maman et de papa, c'est-à-dire la première inquiétude qu'il a, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui va comprendre mes besoins? Oui. Est-ce qu'il va répondre à mes besoins? Si j'aurai faim, si j'ai mal et tout. Donc, c'est ça l'inquiétude de l'enfant. Oui. Au départ, c'est un peu compliqué, je veux dire. Pas quelque chose de très difficile, mais c'est un peu compliqué. Mais il faut travailler là-dessus. Mm-hmm. Donc, au départ, l'enfant, il ne va pas comprendre ce que c'est la séparation et les retrouvailles.
Donc, il ne sait pas que maman, quand elle part, elle va revenir. Revenir, surtout. Donc, voilà. C'est le code qu'il n'en a pas. Mais est-ce que... La représentation mentale, il n'a pas. Mais une fois qu'il commence à se séparer de maman... Et de la voir revenir. De la voir revenir. Il va se sentir en sécurité. Il va comprendre le code. Qu'est-ce que c'est, les séparations, les retrouvailles. Il va se sentir en sécurité. Donc, c'est déjà un premier pas. Il ne faut jamais faire l'astuce de « je sors tant qu'il ne me voit pas », comme ça. Il ne faut jamais faire ça. Il faut vraiment prendre l'enfant et lui dire « je vais partir, mais je reviens ». Voilà. Exactement. Il faut dire « au revoir, je vais partir, je reviens en fin de journée ». Et les gens qui vont recevoir le petit, ils vont continuer sur la même idée. Ils vont dire, ça veut dire l'enfant, il va continuer à réclamer maman. Je veux maman, elle est où, il peut pleurer. Ça, c'est le normal. C'est normal, il ne faut pas s'inquiéter. D'accord ? Après, les gens qui ont reçu l'enfant, ils sont censés redire la même chose. D'accord. Ne t'inquiète pas, je suis là si tu as besoin de quelque chose. Et maman, elle va revenir. Et quand la maman revient, la personne qui a accompagné l'enfant pendant la journée ou la durée où maman était absente, elle va dire, tiens, regarde, je t'avais déjà dit le matin que maman va revenir. Donc c'est la preuve qu'on disait la vérité. C'est comme ça qu'il va apprendre ce que c'est l'attachement sécure et les séparations et les retrouvailles. D'accord, mais c'est aussi... souvent pour les parents difficiles, parce que c'est les parents aussi qui se posent les mêmes questions. Est-ce qu'ils vont savoir, est-ce qu'ils vont comprendre mon enfant? Oui. Est-ce que mon enfant va être compris? Est-ce qu'il va être en sécurité? On a peur, c'est plus fort que nous, on a l'instinct maternel qui joue un petit peu beaucoup, l'instinct paternel aussi, parce que la nouvelle génération, les papas sont très présents avec leurs enfants. Et il faut aussi que les parents fassent un travail sur eux-mêmes. C'est exactement ça. Donc les parents, je partage avec vous même idée, parce que dans la société, on dit maman, 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 mais actuellement, les papas, ils ont les mêmes inquiétudes que maman. La seule différence, que maman peut le montrer et papa peut ne pas trop le montrer. Voilà. C'est ça la seule et l'unique différence. Par contre, l'enfant, il ressent plus le stress, l'angoisse de maman plus que papa. Oui. Le transfert se fait plus rapidement et plus facilement des émotions des mamans vis-à-vis leur enfant que les papas. Les enfants sont une vraie éponge, du coup. Oui, exactement. Ils prennent tout ce qu'on a, même si on essaye de le cacher, ils le sentent quand on n'est pas bien. Et quand, généralement, voilà. Donc, généralement, c'est les parents qui eux-mêmes, ils ne sont pas prêts de se séparer du petit, qui s'angoissent. Je peux confirmer. Voilà. Ce n'est pas vraiment l'enfant. Hein. Parce qu'on reçoit, par exemple, des remarques ou des inquiétudes. On entend les parents disent, mais tu sais, mon fils est francophone, mon fils est arabophone, mon fils est kabyle. Il y a un risque de différence de langue, de différence de culture et tout. Moi, j'ai toujours dit que les enfants, même si nous allons ramener des enfants de différentes races. Oui. Carrément. C'est-à-dire une autre langue, une autre culture, une autre couleur, de différentes couleurs. Les enfants, ils vont toujours finir par trouver un moyen de communication. Exactement. Parce que ce n'est pas comme l'adulte. Ils n'ont pas besoin de langage. Oui. Ils ont besoin de trouver des centres d'intérêt. Une fois qu'ils trouvent des centres d'intérêt en commun, ils peuvent passer une agréable journée. Ah bah, très bien. Exactement. Il n'y a pas de barrière. C'est les adultes qui font les barrières et c'est les adultes qui transmettent ça aux enfants sans le vouloir vraiment. Généralement, c'est ça. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça représente la première rentrée à l'école pour l'enfant? Qu'est-ce que ça représente exactement? Ben, je vous dirais que ça dépend de ce qu'il a reçu avant son premier jour à l'école. D'accord. Ce n'est pas la veille, ce n'est pas la semaine avant la rentrée scolaire, mais c'est un travail qui se fait. En fait, il y a des choses primordiales, c'est-à-dire qui aident l'enfant à avoir une intégration correcte dans la société. Ça, c'est dès le jeune âge de l'enfant. Présenter à l'enfant de différentes figures d'attachement, présenter à l'enfant plusieurs figures d'autorité, parce que c'est très important. L'enfant, quand il a plusieurs figures d'autorité, il va trouver des adultes qui vont l'aider à intégrer des institutions plus facilement, parce qu'avoir de l'autorité sur un petit enfant, ça veut dire transmettre le message de « je suis là pour te protéger ».
Et l'enfant se sent heureux une fois qu'il est protégé. Donc, les premières années déjà du développement de l'enfant, il faut lui apprendre ça, il faut le responsabiliser un petit peu. Parce qu'actuellement, on voit beaucoup de parents, des mamans, trop derrière l'enfant. Elle fait tout pour lui. Il faut lui apprendre l'autonomie aussi. Voilà, de l'autonomie, de l'indépendance. C'est très important. Et je peux vous dire qu'il y a même certains enfants qui te disent « Non, maman, je préfère faire ça toute seule. » Et c'est très important. Voilà. C'est des enfants éveillés. Mais c'est des choses généralement, si l'enfant il le demande, c'est magnifique, donc on le renforce. Mais si l'enfant il ne le demande pas, on essaie de le pousser pour qu'il le fasse. Voilà, on doit travailler là-dessus. Parce que l'enfant, il ne va pas rester toute sa vie. Enfant, il ne va pas rester toute sa vie à la maison. Oui. Donc ça, c'est le travail des premières années. Après, avant la rentrée scolaire, c'est lui montrer l'école, pourquoi pas. Le préparer psychologiquement. Voilà, lui montrer et aller en voiture, on va dire. Y aller en voiture bien avant l'entrée, la rentrée scolaire, y aller en voiture, lui montrer l'établissement où il se trouve, par exemple, ce genre de choses. Si on peut même visiter les classes et tout ça. Oui, c'est très important. De le faire. Et revoir l'hygiène de vie de l'enfant. Oui. Quelle heure il a ? Voilà. Quelle heure il se réveille ? Est-ce qu'il a envie de faire une sieste ou pas ? Voilà, ça, c'est pas la veille qu'il faut corriger. Exactement. C'est un travail qui se fait plusieurs semaines avant la rentrée scolaire. Voilà. On règle les habitudes du sommeil, les habitudes alimentaires. Parler un peu beaucoup des codes de la classe, de l'école et tout. Ça, c'est les derniers points qu'on doit travailler avec D'accord. l'enfant quelques semaines. Mais avant, il faut avoir déjà un peu d'indépendance. Très bien. Donc, on va continuer notre débat. Mais tout de suite, je vous propose un reportage. Un reportage de Leïla Benaïcha qui nous parle d'une expérience pilote dans les écoles d'Alger, surtout pour cette année. C'est la numérisation des outils pédagogiques. Elle s'est déplacée vers l'école primaire d'Ali Boumendjel. Elle est allée à la rencontre des élèves et des enseignants. Et on revient tout de suite après. Accueillis par leurs enseignants et le clown, les élèves de l'école primaire Ali Boumendjel ont signé une entrée scolaire 2022-2023 particulière par l'intégration des tablettes et du tableau virtuel, une expérience pilote, dans deux écoles d'Alger. Concernant la préparation de la rentrée scolaire 2022-2023, la nouveauté, c'est les tables électroniques concernant les 5e année et les 4e année. Alger Centre, il y a deux écoles pilotes, Mouradia une école, Medania 2 et Sidi Mohamed deux écoles. Pour ces élèves, l'utilisation de la tablette dans l'apprentissage pédagogique est pratique, mais aussi soulageante des cartables encombrants et fatigants. Je trouve que pour les tablettes, c'est une très très bonne idée. Et comment ? Pour que ça soit plus facile à apprendre et plus léger. Pour le dos. Pour cette année, je souhaite avoir de bonnes notes. Moi, quand je serai grand, je voudrais devenir pilote. J'ai vu mes amis, j'ai trouvé les tablettes et ça m'a plu. Et après, j'ai dit merci. Le cartable, il va être lourd. On ne ramène pas le livre, on utilise les tablettes. La numérisation des outils pédagogiques a suscité la formation des enseignants et l'initiation des élèves à l'outil informatique, sans pour autant éliminer le livre dans le processus de l'enseignement, puisqu'il reste un lien entre la scolarité de l'enfant à la maison et ses cours à l'école. L'élève pourra suivre ses cours sur l'application Bibliothèque virtuelle installée sur sa tablette. Et le parent poursuivra le travail de son enfant sur le livre scolaire, de manière à créer une relation solide entre l'enseignant, l'écolier et le parent. Dans l'optimisme, nos élèves entament leur année scolaire et espèrent réaliser leurs meilleurs résultats. Leur ami le clown leur donne quelques conseils. Ok. باش كامل تخرجوا مهندس طبيب استاذ ايه صح تقراو مليح كامل
Et voilà, donc les tablettes, le tableau numérique, bon, tout ce qui est informatique et tout ça, est-ce que c'est, à votre avis, c'est une bonne idée, c'est un plus pour les enfants? Je vois un oui. Il était temps de moderniser, je suis à les écoles TANA publiques, parce qu'on voit ça pour les écoles privées. Et il était grand temps qu'on inclue ce genre de multimédia pour les écoles. Les écoles étatiques. Les écoles étatiques. Professeur Boufaroua ? Bon, c'est intéressant, certes. Oui. Mais honnêtement, j'ai eu un petit bémol parce que, quand même, vous avez un enfant qui est à l'école primaire. Mm. Et je pense que ce que j'ai appris en primaire, c'est écrire et lire. Oui. J'ai appris un petit peu. On a appris ça sur le tableau. C'est-à-dire, il y avait quand même un manuel qui est important pour l'enfant. Honnêtement, je ne sais pas ce que pensent les psychologues, mais c'est un peu trop précoce que ça soit à l'école primaire, du moins les premières années. Oui, je parle des premières années, les trois premières années, où l'enfant est censé développer l'écriture et exactement tout ça. Son mais on manuel. Verra tout à l'heure l'avis des parents, parce que notre journaliste Farid Abdelmuslim est aussi allé voir des parents, leur demander leur avis par rapport à tout ça, à tous ces changements qu'il y a eu, si c'était une bonne idée ou pas. Les avis sont mitigés, sont différents. Il y a des personnes qui sont pour les tablettes parce qu'on se dit les enfants, ils ont pas tous les enfants, il y a des parents qui ne voilà. Il y a des enfants qui ont déjà la tablette, le téléphone, ils ont l'habitude de ça. Donc il faut pas non plus enlever complètement le cahier et le crayon. Il ne faut pas noyer. Il faut garder les bases. Les deux, c'est bien. Voilà. Utiliser les deux, c'est très intéressant. Mais je pense que les premières années, il faut vraiment faire attention. Il faut avoir un juste milieu, pour garder aussi le... Mais honnêtement, je me dis quand même, ça a été étudié. Je ne pense pas que les choses ont été faites comme ça, sans qu'il y ait l'avis de psychologues ou des... Je suis persuadée quand même qu'il y a quand même un ministère d'éducation qui a pensé à tout ça. Mmh. Mais juste, on va dire, attention aux parents. Il ne faut pas que cette tablette-là va remplacer l'écriture, la lecture du livre, qui est beaucoup plus intéressant, qui est très, très intéressant. Mais c'est plus intéressant parce que ça va allergir les cartables. Les cartables, pour l'allègement des cartables. Voilà. Oui, par rapport à ça, le fait que le cartable soit lourd, justement, par rapport au cartable qui est... souvent assez lourd. Les mamans essayent toujours de trouver des solutions entre avoir des livres à l'école et puis avoir les copies à la maison pour ne pas avoir à tout transporter. Il y a eu aussi la liste des affaires scolaires qui a été qui a été allégée, qui a été partagée sur Internet, mise en ligne sur les réseaux sociaux. Comme ça, les parents, toutes les classes ont pratiquement les mêmes cahiers, comme ça chaque prof, les mêmes affaires scolaires pour alléger surtout les cahiers. Alors, juste avant de continuer, on a un appel téléphone. Je rappelle d'abord le numéro de téléphone, le 021 23 98 91. Vous pouvez nous appeler et nous donner votre avis, partager votre expérience par rapport à la première rentrée scolaire. Et on me dit qu'on a déjà un premier appel. On a avec nous Semia. Semia, bonjour. Bonjour, bonjour Mounia, bonjour à toute votre équipe. Merci, ça va, vous allez bien? Oui, très bien, merci. Ah ben, alhamdoulilah. Alors vous allez nous parler de la première rentrée scolaire de votre fille, n'est-ce pas? Oui, alors Céline Zohr, qui a tout juste 6 ans. Oui. Je dirais que c'est très important de préparer un petit peu les enfants. C'est vrai, au début, elle avait hâte d'y aller, toute contente. « Maman, je vais mettre ceci, cela. » Mais parce qu'elle a des grands frères et des grandes sœurs qui, peut-être, elle voulait faire pareil, non? Oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, elle me disait toujours « Maman, je veux étudier dans l'école où ma sœur étudie, ou mon frère. » Mais comme sa sœur et son frère sont au collège, donc c'est pas la même chose. Bien sûr. Donc, j'ai essayé de la préparer un petit peu parce qu'elle était très attachée à son éducatrice de l'école maternelle. D'accord. Oui. Donc, la séparation était un peu difficile, mais j'ai fini par lui expliquer qu'elle va retrouver une nouvelle enseignante aussi gentille et aussi douce. Voilà, donc j'ai joué un petit peu à la psychologue. Oui, et vous avez préparé bien en avance votre fille à cette rentrée.
Oui, ça s'est bien passé en général, sauf que en arrivant juste devant sa nouvelle école, elle m'a piqué une petite crise, donc des larmes. Maman, je veux retourner à mon ancienne école, toutes mes copines sont là-bas. Oui. Et j'ai fini par lui expliquer que même ses copines sont dans de nouvelles écoles. Et puis, la première année, c'est pas comme la crèche. Oui. À la crèche, il n'y a que des bébés qui pleurent tout le temps. Elle m'a dit, ah oui, d'accord. Eh bien, très bien. Donc, oui, votre fille a eu une difficulté par rapport à l'ancienne crèche. Elle s'était attachée à sa tata et du coup, elle avait du mal à reprendre avec la nouvelle, nouvelle ambiance. Elle quoi. Elle s'est vite adaptée. Elle m'a dit, oui, maman, tu as raison. Ma nouvelle maîtresse est très gentille. Eh bien, super, alhamdoulilah. Et je me suis fait déjà des copines, déjà le premier jour. Eh bien, super, magnifique. J'ai rencontré une fille très sympa. Du coup, donc, ça va pour moi. Ça vous a rassuré. Alhamdoulilah, oui. Alhamdoulilah. Mais il y avait des enfants à côté qui l'ont un peu influencé. Il y avait un garçon qui pleurait. Justement, on va en parler justement avec notre psychologue. Elle va nous donner son avis. Merci encore, Samia, pour votre témoignage. Merci à vous. Bonne et vous aurez une réponse tout de suite de la part de notre psychologue. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Donc voilà, le fait de voir d'autres enfants en train de pleurer, ça donne envie aux autres enfants de se dire ils pleurent. Ils pleurent donc. Je crois que ici, le principe, c'est de pleurer. Donc, on va tous pleurer, c'est ça? Oui, généralement, ça veut dire, si on voit quelqu'un dans une situation désagréable, oui. dans le même endroit, on se sent plus en sécurité. Oui. C'est-à-dire, même là où on est, oui. si oui. une personne parmi nous, elle crie, oui. nous allons tous avoir le sentiment de la peur. Oui. C'est la même chose entre les enfants à l'école. C'est ce qui s'est passé avec la petite, le premier oui. jour de la scolarité. Pleurer un petit peu, une petite crise le premier jour avant de rentrer à l'école, c'est quelque chose de normal, ça ne doit pas être inquiétant. Après, ça revient au rôle de l'équipe pédagogique de l'école. Bah, ils sont formés pour, ils sont voilà. là pour, justement. Donc, il faudrait rattacher la rentrée scolaire à un sentiment positif, à un sentiment de joie. Mais il ne faut pas trop enjoliver la chose. Il faut dire que ce n'est pas forcément que du jeu, que ça va te plaire, que c'est magnifique et tout ça. Il faut dire aussi... Ce n'est pas vraiment le jeu, c'est l'accueil qui est important. Non, mais pour l'enfant, quand on lui raconte souvent, on lui dit « Tu vas voir, tu vas apprendre, tu vas grandir, c'est magnifique l'école et tout ça. » Et puis pendant sa scolarité, peut-être qu'il aura des difficultés, peut-être qu'il aura des problèmes, peut-être qu'il y aura oui. des enfants avec qui il ne va pas s'entendre. Donc, est-ce qu'il ne faut pas trop enjoliver la situation à l'enfant, lui vendre du rêve et puis après, il va être un peu dépourvu, un peu déçu? Généralement, avec l'enfant, il comprend, est-ce qu'on dit la vérité ou on oui. ment directement. Ça, c'est clair, voilà, d'accord oui. Même si on fait des efforts pour cacher la réalité, il va finir par découvrir, il va finir par comprendre que ce n'est pas la vérité. Oui. Donc, il faut lui transmettre le message correctement de ce qui peut se passer à l'école, mm-hmm. mais sans, ça veut dire transmettre le message d'inquiétude et tout, il faut lui dire que c'est ça, le normal, tu peux avoir des difficultés, mais aussi, il faut insister sur les oui. points positifs, que tu as grandi, que tu es responsable, que tu vas apprendre de nouvelles choses. Oui. C'est ce qu'il faut donner à l'enfant. Il ne faut surtout pas mentir, c'est oui. tout. Hein. Surtout pas. Après, c'est l'équipe pédagogique qui doit jouer un rôle très important, surtout avec une tranche sensible du primaire. Parce que si nous allons parler du primaire, c'est-à-dire c'est le démarrage d'un parcours scolaire très lent. Mmh. Okay. Donc, et ça commence le premier jour de la première année scolaire. Si l'enfant va rattacher le premier jour de l'école à des émotions de joie, même s'il va finir par trouver des problèmes et des difficultés plus tard, parce qu'il va grandir, il va gagner un peu de maturité par la oui. suite, même s'il va rencontrer des petits problèmes, il va finir par les accepter et s'adapter facilement. Oui. Donc, si on veut un parcours scolaire, je veux dire, épanouissant et correct, il faut commencer le premier jour de l'école. Très bien. Voilà. Et tout de suite, nous allons suivre un deuxième reportage. C'est l'avis, justement, des parents d'élèves par rapport à tout ce qui est nouveau, toutes les tablettes, par rapport à l'anglais. C'est un micro-trottoir de notre collègue Farida Ben Meslem et on se retrouve tout de suite après. Lecture sur la tablette et la lecture sur le livre, la lecture sur le smartphone, etc., sont différents.
Mais je pense que dans le cas de l'allègement du cartable et aussi de la facilité d'adaptation, je pense que c'est une bonne chose. Mais le livre ne doit pas être remplacé à 100%, je pense, par la tablette. Il faudrait qu'il y ait un système hybride qui nous permet en même temps d'alléger ce cartable, d'aller vers les nouvelles technologies, on ne peut pas échapper. Mais sa généralisation, disons, dans toutes les écoles est intéressante. Il faudrait qu'il y ait un équilibre. Il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre entre les écoles et les régions algériennes. Il faudrait que tout le monde bénéficie de cette technologie. Donc c'est bien de faire des écoles pilotes, mais il faut essayer de généraliser aussi. Seulement, il ne faut pas oublier que le livre reste toujours un outil très intéressant parce qu'il y a des activités à faire. Et la lecture sur papier reste toujours quelque chose d'intéressant pour les élèves. Je pense qu'il faudrait affiner l'approche pédagogique parce que beaucoup de parents sont inquiets, ils se disent « bon, des tablettes et après les enfants vont perdre le contact avec le cahier, avec l'écriture ». Mais je ne pense pas que ça soit inconciliable. Je crois qu'il y a une approche pédagogique à affiner et le problème serait réglé. Il y a, je pense, 1600 écoles qui sont pilotes pour ce projet. Et suffisamment, l'échantillon est suffisamment important pour donner des résultats concluants. Si je vous parlais un peu du cartable de votre fille, avec le cartable, oui, il est bien rempli. On souhaiterait quand même qu'il soit un petit peu léger pour eux parce qu'ils sont petits. En ce qui concerne leur dos, c'est vraiment difficile. Ils auront des difficultés à la langue plus tard. Il y a deux options. Ou bien ils font les tablettes, les livres. Soit à l'école, des tiroirs ou bien quelque chose comme ça. Les tablettes, il les prend à la maison. Comme ça, ils peuvent réviser sur la tablette. À l'école, il y a le livre sur place. Donc, ce cadeau ou la cartable, il va être plus léger. L'anglais, c'est la langue mondiale. Tout type de matière, que ce soit technologique ou bien médicale ou bien ce que ce soit, c'est en anglais. Par contre, j'aimerais bien que ce soit dans l'université l'anglais. Contre la langue, je suis contre. Mais avoir une base au niveau primaire, Hajalou, la langue de Dine, c'est la langue arabe. Quand tu fais un enfant, c'est un atelier ou le tel, t'as mis un chien dans le livre. Ça, c'est une catastrophe. La langue anglaise, خلينا من la langue française, بينا. Dis-le deux langues. Khalina tarikh, la géographie. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Il y a des gens qui disent que quatre langues ou trois langues, c'est trop pour les petits. Moi, j'adhère à cette idée, mais bon, peut-être que dans un deuxième temps, nous allons vers le choix, choisir une langue. Mais l'introduction de l'anglais, c'est une chose très intéressante. Pourquoi intéressante ? Intéressante par rapport à l'universalité. Par rapport à l'universalité, par rapport à, disons, à la technologie, à tout ce qui est... Parce que maintenant, l'universel, c'est l'anglais. Mm-hmm. Là où vous allez, c'est l'anglais. Vous faites dans les moteurs de recherche, vous cherchez un concept ou quelque chose en anglais, vous le trouvez beaucoup plus documenté. Mm-hmm. Et puis, il y a une chose. Il faut savoir, il faut suivre la société aussi. Mm-hmm. Vous allez dans les petites écoles ou dans les écoles officielles qui enseignent l'anglais, vous allez trouver un très grand engouement. Donc nos enfants apprennent l'anglais tout seuls. Oui, ça veut dire que l'enfant, il est déjà apte à recevoir. Il est déjà apte à recevoir, il est très apte à recevoir. Il ne faut pas avoir peur. Je suis ravi qu'il lit l'anglais au primaire parce que, de toute façon, c'était une chose qui était attendue depuis longtemps par les parents. L'initiative du président de la République d'introduire l'anglais est une très bonne initiative, d'autant plus qu'elle n'a pas l'air d'aller contre une langue ou une autre, mais juste pour que les jeunes apprennent de plus en plus de langues étrangères, de langues vivantes, pour accéder au savoir universel. Voilà, c'était les nouveautés, l'avis des parents justement par rapport à l'anglais, par rapport aux tablettes et tout ça. Alors professeur Bouffalois, justement la tablette est là justement pour alléger un petit peu le cartable. C'est vrai que le cartable, tous les parents se disent la même chose, c'est trop lourd pour mon enfant. Comment choisir son cartable? Est-ce qu'on prend un cartable à roulette? Est-ce qu'on prend un cartable qui se tient à la main, en bandoulière, en cartable, sac à dos? C'est la question que tous les parents se posent et ils veulent le meilleur et on sait finalement pas lequel choisir. Bon, effectivement, c'est une question vraiment qui inquiète
tout le monde. Hein. Oui. On est des mamans avant que ce soit. Alors, le gros problème, c'est que toujours, on rattache cette lourdeur de cartable à la scoliose. Oui. Je tiens quand même d'ouvrir une parenthèse. Justement, j'allais vous poser la question par rapport à ça. Justement, j'ouvre une parenthèse pour ça. La scoliose est une maladie qui a des facteurs génétiques, d'accord ? D'accord. Qui est aggravée par le port d'un cartable lourd, mais elle n'est pas la cause, il faut que ça soit clair, d'accord ? Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a porté un cartable lourd qu'on a fait une scoliose. La scoliose est là. Elle était déjà là, mais pas perceptible. Qui est aggravée, voilà. Ou qui a été déclenchée par ce port de cartable. D'accord. Donc, juste, il faut que ça soit clair dans ce sens-là. Maintenant, quand on veut prendre en charge un enfant qui a une scoliose, justement, parmi les effets néfastes, justement, c'est ce cartable lourd. D'accord ? Moi, j'ai entendu la dernière fois et j'ai trouvé que c'était une très bonne initiative qui a été déclarée par la présidente de l'association d'élèves et qui a donné une très bonne nouvelle, et j'espère que vraiment elle va être appliquée, puisqu'elle a dit que les enfants ne vont plus prendre leurs livres à l'école et qu'il y aura des copies de livres au niveau de la classe. Oui. Ça, c'est si vraiment on l'applique, je pense qu'on a réglé le problème de cette inquiétude et de cette lourdeur de cartable. Ça, c'est d'une. Donc, c'est une très bonne chose et j'espère que c'est appliqué pour tout le monde. Et puis, il faut juste savoir que normalement, le poids d'un cartable ne doit pas dépasser les 10% du poids de l'enfant. D'accord. Ça, c'est obligatoire. Donc, un enfant de 6 ans, il pèse combien à peu près ? À peu près dans les 22 kilos. D'accord. Donc, le cartable doit faire 10%, ça veut dire s'il fait 22 kilos, c'est 20 kilos. D'accord ? D'accord. Donc, ça, c'est très important. Et puis, quel que soit le cartable qu'on porte, il faut juste qu'il y ait. Ce n'est pas le cartable où il n'y a pas du tout d'arrangement à l'intérieur. Il faut qu'il y ait un arrangement de telle façon à ce qu'il soit bien équilibré. C'est-à-dire, il ne faut pas que ça bascule une lourdeur d'un côté à un autre. Le sac à dos, il est très intéressant, mais il faut que ça soit équilibré à l'intérieur. D'accord ? Quand on porte un sac à dos, ça serait bien que ça soit à la longueur du dos et qu'il s'arrête à 5 cm du bassin. La hauteur donc du sac à dos. Donc, on le porte haut, le sac à dos, il ne faut pas le porter bas. Exactement, il ne faut pas le porter bas parce qu'on va faire du mal aussi au niveau du bassin. Oui. Parce que quand il y a une scoliose, il y a déjà un problème sur les dernières lombaires et sur le bassin. Donc, on doit faire attention à ça. Contrairement à ce que pensent les parents, les cartables à roulettes sont déconseillés. Voilà. Pourquoi ? Et je pense ceux qui m'écoutent vont vite remarquer, lorsque l'enfant prend le cartable à roulettes, il va se retourner un peu pour essayer. Oui, il a une posture qui est mauvaise, qui va complètement déformer la posture. D'accord ? Le gros problème du cartable lourd, c'est qu'il va aggraver la mauvaise posture. Mmh. D'accord ? C'est pas l'aggravation vraiment de la scoliose, mais de la mauvaise posture. Et le cartable à roulette, il va faire des efforts, cet enfant, pour le prendre. Donc, il va un peu dévier son corps. Alors que nous, dans une scoliose, on veut qu'il y ait quand même un dos qui est droit, dans un sens droit. La taille, voilà. du bras du cartable, ça n'a... Alors, la largeur c'est normal qu'elle doit être large, c'est tout à fait normal pour l'équilibre ici des épaules. Et puis renforcer. C'est juste pour la posture. Oui, voilà. Tout ça, c'est pour la posture. On essaie d'arranger juste la posture de l'enfant pour justement ne pas aggraver sa scoliose. Donc, qu'il prenne le cartable en sac à main ou qu'il le prenne en sac à dos, il faut juste qu'il y ait des rangements à l'intérieur pour que le cartable soit équilibré. Donc, exactement. Justement, on vient de me dire qu'on a un appel téléphonique. On a aussi Maya au téléphone qui va nous en parler aussi. Maya, bonjour. Bonjour. Ça va, vous allez bien ? Très bien, très bien, je vous remercie. Très bien, alhamdoulilah. Alors, vous voulez nous parler du cartable, n'est-ce pas ? Du cartable. Oui. Le poids du cartable. Bon, comparativement aux années précédentes, ça va. Mais il reste que les enfants sont... Personnellement, mon petit est rentré en première année primaire cette année, tout content, tout joyeux. Et il était suffisamment préparé parce qu'il a précédemment fait la crèche. Il a toujours été scolarisé, donc pour lui, disons que ce n'était pas nouveau. Mais le poids du cartable reste quand même problématique pour leurs petites épaules. C'est vraiment un problème pour les enfants. Est-ce que vous avez trouvé une solution ou comment vous faites justement ?
Eh ben, je le porte jusqu'à l'école. Je pense que c'est la solution qu'ont tous les parents. Hein. Non, on n'a pas trop le choix. Il y a aussi les histoires de cartables à roulettes, mais ça reste quand même un poids supplémentaire quand il y a des escaliers. Mais je ne sais pas si vous avez entendu justement notre spécialiste à l'instant nous disait que le cartable à roulettes justement était déconseillé parce qu'il donne une mauvaise posture à l'enfant et qu'il s'était déconseillé. Voilà. Oui, mais porter le cartable sur les épaules aussi, c'est quand même un petit lourd pour leurs frêles épaules. Bon, ça, la solution reste l'accompagnement des parents. Et bon, pour l'instant, il n'y a pas d'autre solution. Espérons qu'à l'avenir, il y aura un peu moins de livres, un peu moins de cahiers. Ou l'astuce du livre à l'école et puis le livre à la maison aussi. Comme ça, on n'a pas à aller prendre de la maison à l'école. Écoutez, et vice-versa. Honnêtement, d'antan, moi, c'était comme ça quand j'étais au primaire. Il y avait le livre qu'on laissait à l'école, le livre qu'on avait à la maison. Maintenant, effectivement, c'est un budget pour les parents, mais il y a toujours une solution. Une solution pour aider nos petits. Inch'Allah, en tout cas, ça se réglera. Merci encore, Maya, pour votre témoignage. Je vous remercie. Passez une bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Donc voilà, les parents se posent tous la même question, la roulette, la hanse et tout ça. Il y a une autre question aussi que je voulais vous poser par rapport aux enfants qui ont des allergies ou qui sont asthmatiques. Parce que dans certaines écoles, il y a le tableau blanc avec le feutre. Dans d'autres, ce qu'on a vu, ça, le tableau numérique et tout ça. Mais d'autres écoles, il y a encore le tableau vert. Enfin, à mon époque, c'était vert ou noir, voilà. Avec la craie, donc la poussière de la craie, puis Allah, ça qui met le rôle la brosse et tout ça. Donc, est-ce qu'il y a une solution pour ça, pour éviter que l'enfant ne fasse d'allergie ou qu'il évite justement toute cette poussière? Oui, tout à fait. Hein. Je pense qu'il y a des recommandations qui datent maintenant depuis de longues années, hein, qui ont été faites par des allergologues, pédiatres, et la poussière, quelle que soit. Oui. Quelle que soit la nature de la poussière, qu'elle vient de la craie, qu'elle vient du tapis, qu'elle vient de la table qui n'est pas essuyée, qu'elle vient du parterre qui n'est pas bien fait. C'est-à-dire qu'on dise les choses réellement. À l'école, il n'y a pas que le tableau. Oui. Ça veut dire que même si on règle le problème du tableau avec le feutre ou bien la numérique, mais l'enfant allergique, il va faire de l'allergie pour un autre type de poussière. Oui. Donc là, soyons réalistes. Et dire, voilà, cet enfant donc, qui fait une allergie, c'est vrai que la craie est un allergène, comme tous les autres allergènes. Et là où il y a de la poussière, je pense qu'il va poser problème, cet enfant-là. Est-ce qu'on peut mettre l'enfant une table en arrière ou deux ou trois, on va dire, pas ça trop va proche pas régler de... Le problème. Honnêtement, ça ne va pas régler le problème. Ça va pas régler le problème, donc oui. L'idéal, c'est justement de remplacer au moins ces tableaux-là. On ne va pas donc demander par les tableaux blancs, tout exactement, simplement. Exactement, avec des feutres, c'est déjà quelque chose. Et éviter l'ardoise aussi pour l'enfant. Sûr, donc pour l'enfant aussi, la petite ardoise blanche, on va dire, là, avec le feutre aussi. Voilà. Eh ben, très bien, merci en tout cas pour toutes ces astuces. Merci à vous, professeur Fadila Boufaroua, vous êtes pédiatre. Merci encore, spécialisé en endocrino et diabétologie. Merci encore pour tous ces conseils. Docteur Hanan Wahil, vous êtes psychologue. Merci aussi pour tous vos conseils et tous vos éclaircissements. Et tout de suite, nous passons à la rubrique We Share the Wahida.
Et voilà, de retour sur le plateau de Ma famille, ma vie avec Wahida. J'ai enlevé mon masque. Oui, on va en parler maintenant. Voilà, justement pour en parler. En fait, justement, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Badia qui nous a fait ce magnifique masque et cette magnifique tenue que je porte, cap. Voilà. Donc, bienvenue Badia. Donc, merci, vous êtes, je vais corriger, costume designer. Yes. Et en même temps, vous avez découvert récemment le cause. C'est comme ça que je vous ai découvert, moi. Oui, le cosplay, c'est pas récemment, ça date des années, c'est parmi... Justement. Dites-nous quand est-ce que vous l'avez découvert. C'était dans les années, je dirais, 2012-2013, parmi les J'allais vous dire, c'était les débuts de la FIBDA. Oui, je vais juste faire une petite introduction. C'est quoi le cosplay? Le cosplay, c'est une sorte de... Il y a deux mots. Il y a le costume et le play. Le jeu. Ouais, il a été créé, genre, les États-Unis viennent mettre Star Wars. Exactement. C'est ça. Alors que les gens pensent que ça vient du Japon. Du Japon, non. C'est ce que je croyais. Personnellement, c'est ce que je croyais. C'est les fans de Star Wars qui ont créé ça. Genre, ils étaient tellement hype for the movies qu'ils ont eu l'Ipsou, alors c'est le personnage de Han. Dark Vador et compagnie. Voilà, exactement. Voilà. Alors, ça a pris de l'ampleur et c'est devenu, genre, mondialement connu. Les Japonais, genre, ils ont persévéré parce que, genre, ils ont perfectionné le truc. Exactement, parce que c'est un rapport avec les mangas, les jeux vidéo. Oui. Genre, c'est un univers encore plus développé. Et pour revenir au cosplay, le cosplay, c'est de créer le costume de son personnage principal, personnage favori, pour pouvoir. Jouer le personnage. Personnage. Le personnage de manga ou de film ou jeu vidéo. Justement, il n'y a pas uniquement les costumes, il y a aussi le jeu de rôle. Bien sûr. Voilà, il y a des scènes aussi que vous répétez. Ça dépend des événements des mises en scène. Par exemple, si c'est un concours international, genre il faut présenter genre mes chers à la création. Oui. Genre il vous juge sur la production, le costume, comment est-ce que vous avez réalisé la réalisation, l'authenticité. Voilà. Après, il faut préciser que la réalisation est de vous, du début à la fin. On n'achète rien. Voilà. Tout est fait main. Le petit détail qui va rajouter, qui va donner vie à votre création. Et avec ça, genre quand ils montent sur scène pour être jugé, ça, je parle des trucs mondiaux. Oui. Oui. Ils voient l'interprétation du personnage pour pouvoir. On a une image déjà de vous en sorcière. Ça, c'est ma petite sœur. C'est votre petite sœur. Oui, ils utilisent ma famille. D'ailleurs, mes copines en tant que modèles. C'est complètement créé du début à la fin. Et Béthéa, comment vous êtes retrouvée à faire du cosplaying? J'ai toujours été intriguée par la création du costume. Quand j'étais petite, je prenais des robes de mes tantes. Oui. Et je les changeais, genre je jouais avec mes cousines. Ou même moi-même, je jouais pas avec les Barbie et trucs. Oui. So, en grandissant, on a tous une idée d'Ariata. Un jour, on a tous essayé. Exactement. Oui. Mais le truc, c'est que genre, c'est pas un truc très excitant. Oui. Mais avec le costume, genre le cosplay, ça donne un certain challenge de réalisation. Quand j'ai vu ça, ça remonte en 2013, j'ai vu un personnage, t'as Skyrim. C'était une sorte de challenge. Est-ce que je pourrais le réaliser? World of Warcraft? Yes. C'était World of Warcraft. Oui. C'était Skyrim. C'est ce que j'ai fait. Le personnage, c'était Skyrim, c'était Nightingale. C'était mon premier cosplay. Oui. C'était littéralement de la récupération. C'était du Sky retrouvé dans le garage. C'était du fil, du fil de fer pour faire les petits détails. Oui. C'était littéralement de la récupération complète. Et j'ai vu que c'était assez facile. Ouais, ça c'est parmi mes dernières créations. Oui. c'est des personnages perso, genre c'est des trucs que j'ai créés genre mais si ça n'existe pas. Et ça a vraiment mis le petit hic, on peut faire ce qu'on veut. Oui. On va pas se limiter juste aux habits traditionnels, les talaras ou les robes de soirée, etc. Parce que ça c'est facile. Oui. Genre il n'y a pas un truc challenge dans tout ça. Genre, c'est juste les tissus, les couleurs qui changent au fur et à mesure. Mais pour créer un costume complètement, lui donner les petits détails pour lui donner vie, c'est beaucoup de travail aussi. Et ça vous prend combien de temps pour réaliser un costume? Ça dépend du costume, actually. En moyenne, on va dire. Des mois, je dirais. Surtout s'il y a des accessoires, parce que depuis tout à l'heure, vous avez un accessoire que... Oui. Il est impressionnant. Que j'adore, justement. Ça, c'est de la récupération pure et dure. Purée, j'adore. Oui. Cette canne, depuis tout à l'heure, je suis en train de la voir. Oui. Et puis, elle a un truc particulier. Allez, vas-y, vous pouvez le faire. Allez, go. Justement. Voilà. Une baguette magique. Une baguette magique. Voilà. Abracadabra.
inspiré de Lucius Malfoy. Oui. De Harry Potter. Harry Potter. Oui. Exactly. Avec magnifique. Les détails. Ça, et tout, c'est, ouais. C'est des récupérations. Ça, c'est un bracelet cassé. D'accord. Et ça vous a pris combien de temps? Alors, je ne peux pas vous dire. Genre, ça dépend qui connaît avec le matériau. Là, genre, c'est réalisation directe. Oui. Mais sinon, genre, on doit chercher le matériel genre, adéquat pour pouvoir faire ce genre de réalisation. Et ce qui est très, très, très difficile ici en Algérie. Oui, oui. Très, très difficile. Est-ce que vous commencez par dessiner votre costume? Sometimes. Ensuite, vous allez, en fait, j'aimerais bien savoir comment ça se passe dans votre process de réalisation. Voilà. Des fois, oui. Des fois, on a un truc en tête. Oui. Après, dès qu'on commence à réaliser, genre, ça t'inspire une autre inspiration. Genre, oui. Ça change complètement. Genre, on commence avec une idée, après, ça change autre chose. Genre, mais t'étais pas censée être comme ça. Mais ça crée tout un autre monde et ça ouvre d'autres. Très bien. En tout cas, c'était très intéressant. C'est un peu trop court. Oui. Oui. Les bonnes choses ont toujours une fin. C'est dommage. En tout cas, c'est magnifique. On a même vu un make-up aussi que vous réalisez. Oui. Je vous souhaite plein de réussite. C'est magnifique ce que vous voulez. C'est très inspirant aussi. Est-ce qu'on peut juste donner une toute dernière information? Rapidement. La une de Captain Marvel. Oui. Voilà. Rapidement, rapidement, vite, parce qu'on a une minute. On doit rentrer. J'ai créé un costume. Oui. Il s'est retrouvé à la poche officielle de Marvel américaine. Magnifique. Parmi les meilleurs costumes du monde. Eh ben magnifique. Bravo, bravo, bravo. Merci encore. Alors, The Hidden Artist. Yes, oui. Voilà. Sur Instagram, c'est comme ça qu'on vous retrouve. Merci Wahida pour ta rubrique avec et plaisir. Pour tout ça. C'était un réel plaisir. Et merci à vous, chers amis téléspectateurs. On se retrouve demain, même heure, même studio et même équipe. Prenez soin de vous. Merci encore.